pour les Juifs, la Révolution française marque vraiment un temps de transition et même un temps de rupture vers un temps contemporain. La grande innovation concernant les Juifs, bien sûr, de la Révolution française, c'est, je pense, le primat de l'individu sur la structure communautaire, l'appartenance au groupe. On connaît tous très bien la phrase de Clermont-Tonnerre, hein, « Tout donner aux Juifs en tant qu'individu et rien en tant que peuple ». La formule se poursuivant en disant « S'ils refusent, qu'on les expulse ». Le projet en lui-même de l'émancipation, à partir du moment où il est mis en œuvre, commence par un dictat. Il y a sans doute une volonté d'un certain nombre d'élites juives d'échapper à la condition juive qui prévalait auparavant, mais je dirais que chez les Juifs, ça reste plus confidentiel, cela reste le fait des élites, et il y a certainement une grande distorsion entre cette volonté d'émancipation que promeuvent les élites juives, et puis ce que vivent les Juifs au quotidien, pour lesquels le développement juridique de la condition juive, les avancées en matière de droit ont assez peu d'impact. Les sociétés européennes au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle se refondent sur une base politique. Il ne s'agit plus de considérer la société en tant qu'elle a une vocation religieuse. La vocation religieuse est en quelque sorte secondarisée. C'est le contrat qui devient l'élément qui, dans la pensée des Lumières, doit fonder l'ordre politique. Et le contrat signifie le fait qu'il ne peut être passé qu'entre égaux, les hommes étant égaux, comme le dit le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, étant égaux par la naissance. C'est l'époque, cette entrée dans la modernité, d'une dissociation, où va commencer à s'opérer une dissociation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, une dissociation qui va d'une certaine manière libérer l'un et l'autre, l'un de l'autre. D'un côté, les Juifs sont inquiets de ce qu'ils perdent, et en même temps, ils sont soulagés de ce qu'ils gagnent. Tous les Juifs qu'on va dire orthodoxes, c'est-à-dire qui sont partisans de la tradition avec un grand T, qui pratiquent toutes les mitzvot, vous savez que la religion juive est extrêmement englobante, hein, tous les actes de la vie quotidienne sont régulés par le rite, et ces Juifs, et leurs rabbins bien sûr, regardent avec beaucoup de méfiance ce type de mouvement, en pensant sur deux plans, c'est-à-dire que ça risque d'affadir l'attachement religieux, hein, et détacher les Juifs de leur religion si englobante, encore une fois. Et puis, du point de vue des élites, les rabbiniques en particulier, qui conduisent ces mouvements, eh bien, c'est aussi une perte de pouvoir à prévoir au sein des communautés. Si on prend au sérieux le principe de l'égalité liée à la naissance, et de l'égalité qui doit fonder, qui est le principe fondateur de la société nouvelle, celle qui abolit les privilèges, celle qui remet en question les ordres anciens, bref, celle qui fait advenir un nouveau monde, eh bien, si on prend au sérieux la question de l'égalité, le statut des Juifs s'impose presque immédiatement comme une question à laquelle il faut trouver une réponse. Au moment où l'émancipation s'impose, en France par exemple, eh bien les Juifs anglais, eux, ils sont pas émancipés, il y a encore des empêchements, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, pas réaliser. Il n'empêche qu'ils jouissent d'une tolérance qui fait qu'ils sont dans une voie d'émancipation. En Grande-Bretagne, bon ben voilà, la Révolution française, c'est le contre-exemple, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est le chaos, c'est la violence. Bah, du coup, en Grande-Bretagne, on va adopter, comme à leur habitude, une position complètement étrangère, complètement autre à ce que les Français ont fait, c'est-à-dire qu'au chaos et à la violence, on va opposer une réponse légaliste, réformatrice, ça va passer graduellement par la loi. Cette émancipation, elle ne touche, à la fin du XVIIIe siècle, que la France et les pays de tolérance qui s'avancent vers ce statut-là. Mais il y a beaucoup de résistance ailleurs. L'émancipation est indissociable de la question de l'assimilation, en effet, pour les autorités russes. D'ailleurs, ils n'envisagent pas d'émanciper les Juifs jusqu'à pratiquement 1917. Donc pour eux, il est nécessaire d'abord de
d'intégrer socialement et d'assimiler la population juive, de les rapprocher culturellement et linguistiquement de la population locale. Ce qu'ils appellent fusion de la population juive et de la population non-juive. Les juifs de la péninsule italienne connaissent une rupture majeure à la fin du XVIIIe siècle, comme beaucoup de communautés européennes d'ailleurs, notamment du fait de la Révolution française qui va avoir un effet direct sur ces communautés. Les communautés véritablement séfarades sont plutôt installées sur la côte méditerranéenne, donc elles ont un lien beaucoup plus courant, beaucoup plus continu avec l'Europe occidentale. Et je pense que, bah, comme un peu partout, c'est la Révolution française qui va changer la relation avec l'Europe occidentale, avec la vision qu'on a de l'Europe occidentale. Les élites juives savent ce qui se passe en France. Donc ils ont en tête un idéal. Les armées françaises occupent le Piémont dès 1792, et donc cela va entraîner une égalité des lois et un accès à la citoyenneté pour les juifs de ces communautés qui, à cette époque, vivaient encore dans le ghetto pour beaucoup. L'émancipation des juifs a été, pour les Allemands et pour les aristocrates autrichiens, quelque chose qui arrivait dans les bagages de la Révolution française. Et donc, toute personne qui était démocrate, on s'est dit, ça, il doit y avoir des juifs dans cette histoire. Ce qui était d'ailleurs souvent le cas, puisque, bien évidemment, ces Juifs se sont trouvés là avec un pays tout à fait extraordinaire pour eux. Le Premier Empire débordait, créait des départements en Belgique, dans certaines régions rhénanes, en Italie du Nord. Hein. Et les lois françaises ont été proclamées comme étant les lois de tout cet empire. Et, entre autres, l'émancipation des Juifs.